Bonjour. Comme vous pourrez le voir sur l'image suivante, nous avons découvert en préparant le conseil municipal ce point numéro 10 des décisions du maire. Les décisions du maire sont des décisions que le maire prend tout seul sans avoir à faire un vote ou sans avoir à donner quelques renseignements avant de prendre sa décision. Mais nous avons la possibilité, lors du conseil municipal, de l'interroger sur qu'est-ce qui peut justifier cette dite décision. Comme vous pouvez le voir, il s'agit de louer une maison, 8 pièces, 145 mètres carrés. Et quand on lui pose la question, en fait, eh bien, il nous dit que c'est son ancienne maire adjointe au logement à qui il a été attribué la maison. Quand nous lui demandons qui l'habitait précédemment, il nous parle d'un vague colonel, alors que nous savons pertinemment que pendant un an, un membre du personnel de la ville l'a occupé. Le maire, bien sûr, évite soigneusement de nous en parler. Donc, pour cette location, vous voyez aussi qu'on parle de toute charge comprise, ce qui est très très en dessous du prix du marché, puisque sans les charges, 2 300 euros, c'est 30% moins cher que les prix marchés dans cette partie de notre ville. Et donc, si on avait laissé passer le 2 300 euros toute charge, faites les calculs, vous verrez, on était quasiment à moitié prix. Par ailleurs, la personne à qui a été attribuée cette maison n'était ni à la rue, ni dans des conditions particulières pouvant justifier que le maire lui attribue un bien de la ville. Et bien évidemment, nous ne saurons jamais pourquoi il a loué ce bien à cette personne pour une durée de 6 ans. En résumé, comme le dit le titre de cet article, le patrimoine de la ville, c'est pour les amis du maire, sans aucun contrôle des citoyens. Vous me verrez ensuite poser ma première question orale pour ce conseil municipal. En fait, j'avais demandé la liste complète des biens de la ville, avec le nom des personnes qui habitaient dedans, le montant des loyers et les raisons pour lesquelles on leur avait loué ces biens. Le maire a toujours refusé de me donner l'ensemble des documents. J'avais saisi la commission d'accès aux documents administratifs qui avait conforté ma demande et malgré tout, vous verrez, le maire continue de refuser à me donner les renseignements. Renseignements d'ailleurs que tout citoyen peut avoir. Il n'y a pas nécessité d'être conseiller municipal. Et le refus du maire à ce conseil municipal de répondre à mes questions, de toute façon, ne va pas arrêter la procédure. Place aux extraits du conseil municipal pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. À bientôt. Le point 10, je voudrais savoir pour qui et pourquoi et pour quelle raison cette location au avenue de la République et pourquoi un bail de 6 ans. Et je suis un peu étonné du loyer, 2 300 euros, toutes charges comprises. Je voudrais bien savoir quelles sont les charges. Parce que s'il y a le chauffage, l'eau, l'électricité, pour 175 mètres carrés ou 145 mètres carrés, 8 pièces, tout ça me paraît quand même pas très cher. Et puis surtout, j'aimerais bien savoir à qui on loue ce pavillon et pourquoi. Sinon, on ne s'en sort pas. Ensuite, on passe au point 10. Au point 10, donc en conclusion d'un contrat de location pour le 37 avenue de Molac. Alors, le loyer est exactement celui du locataire précédent, enfin, avec, je dirais, une augmentation légale. Ensuite, bon, il n'y a pas toutes les charges là-dedans. Il n'y a pas toutes les charges, évidemment, il n'y a pas de chauffage. Je ne sais pas, mais je sais qu'il n'y a pas de chauffage. Bon, il a été loué, comme vous le savez, vous le voyez dans les temps, à Madame Galen, qui est certes une ancienne élue, mais qui est un citoyen comme un autre. Hein, généralement, on loue aux citoyens de Bourg-la-Reine. Et c'est exactement conforme au loyer précédent, moyennant l'augmentation légale. Le point 12 concerne. Excusez-moi, monsieur le maire, c'est juste pas du tout au prix du marché, sauf si le site se logeait dit.
autre chose, donc c'est quand même une question. Ce n'est pas aussi du marché. C'est, on est lié aussi par le loyer précédent. Bon, le locataire précédent, c'était qui, monsieur le maire? Bon, c'était un militaire, le colonel, je ne me rappelle plus du nom. Il était resté un certain temps. Donc, la première question orale est dans l'ordre d'arrivée, est une question de monsieur Létron. Monsieur Létron, est-ce que vous voulez lire cette question? Oui, monsieur le maire, pas de problème. Je vais le faire. Hop, où elle est là. Bien. Donc, monsieur le maire, le 31 août 2021, je vous ai demandé la liste complète des biens de la commune loués à des citoyens. Cette liste devra contenir le lieu du bien, sa surface, le montant de la location avec le détail des charges comprises, la date du début de location, le motif de la location et le ou les noms des locataires. Je souhaite aussi avoir la liste complète des biens loués par la mairie à des tiers avec le motif de la location et qui en sont les occupants. Le 1er septembre 2021, je vous ai demandé la liste complète des locations de salles de la commune louées à des citoyens sur les années 2019, 2020 et 2021. Cette liste devra contenir la date de la location, le nom de la salle, le nom du demandeur, le montant de la location, ainsi que la preuve du paiement. Le 29 septembre, par courriel, vous m'avez fait une réponse qui ne me donnait pas les éléments demandés. Comme j'en avais le droit, j'ai saisi la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, le 29 octobre 2021. Dans son avis numéro 2021-6803 du 16 décembre 2021, la CADA confirme que, s'agissant des documents mentionnés au point 1 et 2, la commission relève que les logements communaux concernés appartiennent au domaine privé de la commune. La commission considère par conséquent que les documents sont communicables à toute personne qui le demande en vertu de l'article L311-1 du Code de relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant de l'occultation préalable au titre du premier alinéa de l'article L311-6 de ce code des mentions susceptibles de révéler la vie privée des occupants, lieu et date de naissance, situation familiale, adresse autre que celle du logement loué et nationalité. Elle précise que le montant du loyer n'a en revanche pas à être occulté dès lors qu'il a été en l'espèce fixé par délibération du conseil municipal. S'agissant des documents mentionnés au point 3 et 4, la commission comprend qu'il s'agit de salles à disposition par la commune. La commission estime par conséquent que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L2121-21 du Code général des collectivités territoriales et L311-1 du Code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l'occultation préalable, au titre, etc., lieu de naissance, la même chose que pour le point précédent. Elle émet sous ses réserves un favorable à l'ensemble des demandes. Donc, avis. Le 14 janvier, je vous ai fait parvenir l'avis de la CADA par courriel. Sans retour de votre part, je vous ai fait une relance le 1er février 2022. À ce jour, je n'ai toujours pas de réponse de votre part. Ma question est donc, comptez-vous me fournir les documents que j'avais demandés, oui ou non? Si oui, à quelle date? Sinon, pourquoi ne pas tenir compte de l'avis de la CADA? Voici ma première question. Merci, M. Létron. Et donc, par courrier électronique en date du 29 septembre, la ville vous a transmis, conformément à votre demande, un tableau comprenant la liste des salles de la ville louées à des administrés ainsi que leurs tarifs, et deux tableaux comprenant la liste des biens loués par la commune à des administrés. Les documents ne comportaient pas les noms des différents locataires de ces biens. Par courrier électronique du 14 janvier 2022, vous avez informé que la commission, la CADA, que vous avez saisie, aurait émis un avis dès le 16 décembre 2021 dans un sens favorable à la communication, premièrement, des noms des locataires de ce parc privé, deuxièmement, des noms des demandeurs de location de salle municipale,
et troisièmement des montants d'allocation ainsi que des preuves de paiement. Cet avis qui ne nous a pas été communiqué par la CADA nous semble contestable tant sur la procédure suivie que dans son contenu. En premier lieu, sur la procédure, la ville de Bourg-la-Reine n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations avant que la CADA ne statue. Et votre demande d'avis ne nous a pas en effet été transmise, contrairement aux dispositions du dernier alinéa de l'article R343.1 du Code des relations entre le public et l'administration. En second lieu, sur le fond, l'avis de la CADA nous semble contraire à la jurisprudence administrative. Les documents relatifs au domaine public et privé des collectivités territoriales sont certes des documents administratifs, en principe communicables à toute personne qui en fait la demande. Il en va toutefois différemment lorsque la communication d'un tel document est susceptible notamment de porter atteinte à la vie privée, au secret médical ou encore au secret en matière commerciale et industrielle. Or, le Conseil d'État a jugé que la protection de la vie privée des personnes occupant des logements dans le bâtiment faisant l'objet de la demande de communication implique l'occultation des mentions nominatives. Et concernant les demandes relatives aux salles communales, la communication du nom des locataires est également susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée, en raison de la mise en relation entre le nom de la personne, le motif de la location de la salle, qui est très souvent soit politique, soit familiale, soit encore une autre raison. Et pour cette raison, la ville de Bourg-la-Reine ne suivra pas l'avis de la CADA, dont les avis ne sont pas obligatoires et ne présentent pas le caractère de décision faisant payer.